toutes et à tous, nouveau coup de vent en Vendée ce dimanche soir jusqu'à lundi matin. Ensuite, retour au calme, nous nous dirigeons vers une nouvelle semaine plutôt douce, mais mitigée côté ciel à confirmer. En attendant, on s'intéresse à la météo de ce dimanche 21 janvier. Alors la couverture nuageuse se renforce considérablement, pas de véritables éclaircies prévues, mais du vent. Il débutera son renforcement petit à petit. Concernant le mercure, plus question de geler, on compte 3 degrés minimum du côté de la Châtaigneraie, comptez 7 degrés à La Roche-sur-Yon, 6 pour Montaigu et 11 degrés le long du littoral. Puis dans l'après-midi, le plafond nuageux n'évolue pas, voire se grise davantage avec l'arrivée de la pluie dans le courant de la nuit. Ce qu'il faut surveiller, ce sont les rafales de vent qui peuvent atteindre les 85 km/h, notamment le long de la façade atlantique. Mercure, comptez une moyenne de 10 à 12 degrés sur l'ensemble du département. La suite du programme, eh bien lundi matin, même principe, de la pluie et du vent, rafale 95 km/h en pointe sur le littoral, c'est donc à surveiller. Le calme revient dans le courant de l'après-midi, le mercure se radoucit le matin avec un minimum de 12 à 13 degrés et puis l'après-midi, il baisse curieusement 10 à 12 degrés maximum. Mardi, le ciel va rester nuageux avec des rafales de vent baisse mais encore soutenues, 60 km/h et les températures conservent leur douceur, 8 à 13 degrés. Enfin mercredi, les nuages persistent toujours et le mercure reste doux. On attend 9 degrés minimum au réveil et jusqu'à 14 au plus chaud. En attendant, on revient à notre dimanche 21 janvier. Belle fête à toutes les Agnès. Le soleil va se lever à 8h41 et se coucher à 17h52. Variation encore plus 3 minutes et la mer s'annonce agitée. Passez un très bon dimanche. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles météos et comme chaque lundi, vous aurez le plaisir de retrouver Lucie dans nos studios. À bientôt.